Ok, salut tout le monde, c'est Ghost Maréchal. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur un FPS, non pas sur un jeu en tout genre, on se retrouve sur Marvel Ultimate Alliance 2. Oui, j'ouvre ma série Marvel. Oui, je sais que c'est bizarre, je sais que c'est pas habituel, mais en tout cas, je suis fan de Marvel. Ça, c'est un truc de fou, et voilà. On va jouer en version un peu noob, mais je pense qu'on va s'y mettre. Bon, en tout cas, je sais pas si vous allez bien. En tout cas, de ma part, je vais très bien. J'ai passé une énorme soirée, donc un peu fatigué, mais quand même en révision de brevet aussi, donc c'est un peu difficile. Sachez que ce jeu, je l'ai déjà fait avec en compagnie de Geo, parce qu'on peut jouer à plusieurs sur ce jeu-là. Donc, je l'ai déjà fait en compagnie de Geo. Donc voilà. Donc, je vous laisse un peu regarder le début. Spider-Man, Captain America. Là, c'est Wolverine qui apparaît. Là, bah, pas besoin de dire, c'est Iron Man, donc c'est Stark. Merde, il a déclenché l'arme. Ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, vous allez apprendre plus tard, c'est qu'on peut faire des combos à deux, enfin des combos, comment dire, on peut genre faire des fusions. Le jeu est en anglais si jamais. Dommage. Sais plus comment il s'appelle déjà, Spider-Man à ma vie, en tout cas, Monsieur Stark. Ah. Donc si jamais Marvel, si vous connaissez, c'est un peu tout ça, genre Thor, Hulk, tous ces grands films. Là, c'est Docteur Doom, qui est étant connu dans les 4 Fantastiques, en tout cas. Donc c'est les méchants, si jamais, je pense que vous avez remarqué, c'est les gardes méchants. Ok, bon bah je vais jouer Iron Man. Alors, Quick Attack, Rond Heavy Attack. Donc on va se battre, hein, voir ce que ça donne. Iron Man, man. Je tape partout, donc si jamais on est 4, hein, on peut jouer à 4, donc moi je suis Iron Man. Et là on est chaud, ce qu'on a. Enfin, là, je joue Captain America, parce que j'ai changé. En appuyant sur croix, j'ai changé. Je joue avec Captain America. Là, je vais encore changer. Je vais jouer avec Wolverine. Attention, ouais, ma gueule, c'est Wolverine qu'elle a soit. Spider-Man, lui, c'est un. Moi, je le trouve un peu pédé, Spider-Man. Ça, c'est pas vous. Il a une bonne attaque, en tout cas, dans le jeu. En tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Moi, j'ai envie de jouer Iron Man. J'ai fait grosse attaque là. Attention donc. Voilà, allez hop. Allez Stark. Il est mort lui? Non. Ouais, c'est pas un jeu comme les autres. Hein. C'est vraiment un jeu de. Enfin, pas stratégie, mais bon, c'est un peu ça, parce qu'après ça a de la stratégie avec, avec les autres. Je sais plus comment on appelle ces jeux déjà. En tout cas, moi j'adore, moi, enfin, c'est un peu mon style de jeu, surtout les Marvel, je suis fan de Marvel, je suis fan de tout ce qu'ils font. Ah, regardez, là je vole. Ouh!
pas trop bien compris où je devais aller. Waouh! Allez, vas-y, vas-y, on est chaud, on est chaud, on est chaud bouillant. Je sais, j'essaie de pas trop parler, parce que j'essaie de comprendre un peu le jeu et j'essaie de traduire ce qu'un peu ils sont en train de dire en anglais. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que je vais faire une série là-dessus. À chaque fois, des épisodes de 10 minutes, je pense, ça suffira. Épisodes de 10 minutes sur chaque jeu. Sur chaque, chaque épisode, enfin, je vais essayer. En tout cas, sachez que. Il n'y a plus personne. Faut taper sur la porte, ok. Sachez aussi que donc je travaille tous les jours sur ma frag movie. Je pense faire une frag movie de 5 minutes. Donc si jamais elle s'appelle The Bay. The Bay, pourquoi The Bay hein? Dire une baie, quoi. La baie, quoi. Pourquoi appeler une frag movie la baie alors que c'est une bordel, quoi. Non, c'est que c'est un délire, ouais. C'est un peu en hommage à Magnétique et tous les kills que je pense que je vais faire intervention. Ça sera un peu en hommage à lui, un hommage à tout ce qu'il a pu m'apporter. Et... D'ailleurs, je le remercie pour ça. Putain, là on joue contre des gros, les gens. Attention, attention, mais on dirait des vipères, des méchants. Pff. Two arrows. Ouais, donc voilà, donc on peut faire une attaque à deux héros. Ok. Allez, regardez, regardez, regardez. Ça me saoule de écouter si loin. Bon, bah en tout cas, c'est pas très compliqué. Normalement, c'est normal, c'est le début. J'espère que ça va mieux se passer pour l'après. En tout cas, moi, je pourrais faire une petite série là-dessus, faire le jeu avec vous et votre compagnie aussi. J'ai peu d'abonnés, en tout cas. Moi, ça m'éclate. J'aime bien faire ça. Mais en tout cas, je vous assure, pendant un moment, pendant une semaine, je pense que vous n'aurez pas de vidéo. Je suis en train de travailler sur ma, sur mon brevet plutôt. Qui est vraiment très important pour moi. Je pense que voilà, on sait que c'est simple un brevet, on sait que c'est pas compliqué. Moi, je veux quand même bosser, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore, mon connerie? Ouh! Comment on fait? Attends, j'ai envie de baisser, j'ai envie de tomber, moi. Oh merde, comment on fait? Voilà, on prend le Wolverine maintenant. Là, j'ai envie de prendre Iron Man. Allez, on peut prendre des objets, je crois. Merde, je sais plus comment on fait, mais je crois qu'on peut prendre des objets. Ça, c'est assez sympa. Oh merde! Ah, j'ai trouvé. Il faut péter cette merde. Non, bon bah on monte alors. Bon, je pense qu'on va finir sur cet endroit-là, parce que sinon la vidéo sera trop lourde et je pense pas la publier sur YouTube. Mais en tout cas, ce fut très sympa de vous joindre. En tout cas, Iron Man vous dit salut et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.